Hello les gens, on doit être le 22, donc ça doit être le 5e ou le 4e jour à Kuala Lumpur et c'est la première fois qu'il pleut autant. On nous a prêté un parapluie comme vous pouvez le voir depuis l'hôtel et là on essaie de se diriger vers un restaurant pour petit déjeuner. Mais voilà, ça va être une journée assez difficile s'il pleut tout le temps comme ça. Du coup aujourd'hui on va se diriger vers le centre commercial de la dernière fois. On va faire un peu plus de shopping, ensuite visiter la tour Petronas Tower. Et enfin, peut-être aller voir les deux mosquées nationales, celle de Kuala Lumpur et celle de Kupa. Alors, je me suis retrouvé tout seul. En fait les autres sont partis en avant pour aller changer un vêtement à Uniqlo. Et donc du coup moi je voulais manger un petit déj indien. Donc du coup je suis resté un peu plus longtemps à côté de l'hôtel parce qu'il y avait un petit restaurant qui servait des plata. Du coup j'ai mangé ça et là du coup je me suis retrouvé tout seul et je me suis dit bon je pouvais soit prendre un grab soit aller tester le métro. Donc je me suis dit je vais aller tester le métro pour voir ce que ça donne. Donc là en fait c'est à 7 minutes de marche depuis l'hôtel. Et donc là je me dirige vers le métro, on va voir comment ça fonctionne. Apparemment c'est vraiment pas cher, ils prennent que le cash d'après ce que nos potes du début du voyage qu'on a rencontré nous ont dit. Donc on va voir ce que ça donne, je pense que ça va être une petite expérience. Voilà, j'essaie de vous emmener avec moi, je sais pas si je vais réussir à filmer dans le métro, mais ouais je pense que ça va être pas mal. Par contre ça prend beaucoup plus de temps du coup de partir en métro que de partir en grave. Une fois qu'en grave ça prend à peu près 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc là ça va prendre 30 minutes pour prendre le métro, de 30 minutes de marche, 30 minutes depuis l'hôtel jusqu'au centre commercial. Le métro en lui-même je pense que ça prendra à peu près 10-15 minutes en métro à mon avis. Donc ouais, à voir comment ça va. Comment ça va être? On est toujours au centre commercial, il est déjà une heure et quelques et du coup on a trouvé un food court. Il y a des sandwichs, des burgers, tout comme des plats chinois, japonais, malaisiens. Et du coup c'est pas mal, chacun prend un peu ce qu'il veut et du coup on s'installe et on peut manger tous ensemble. Donc moi personnellement j'ai pris un ramen. Voilà, ramen curry ramen. Toi t'as pris quoi? J'ai pris des nouilles. Des nouilles chinoises avec du poisson? Ouais. Ok, mais il a pris du poisson aussi. C'est pas piquant, c'est pareil. Ah, moi j'ai pas de boisson, faut que j'achète en plus. Faut que je prenne. C'était combien le tien toi? 16, le menu. Ah ouais, c'est pas cher. Non. Moi c'était 20. 18. Mais il y avait pas de boisson. Ça y est, Serenza est enfin parmi nous. Après de longues heures de vol. Et beaucoup de cernes. Avec des gosses qui crient dans mes oreilles. Précise. Mais alors, ton impression qu'on a l'embrouille? Franchement, pour l'instant, c'est trop cool. Les gens, ils sont super sympas. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Et bah, tu fais bien parce que les gens sont vraiment très sympas. Demain, rendez-vous à Taman Negara. Taman Negara pour faire un peu les Indiana Jones dans la jungle. Exactement. Allez, tchuss les gens. Tchuss.